Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission HCOM Hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Amina Tidjani Yaya. Elle est présidente du groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain. Il sera question au cours de cette émission de la mission assignée à ces caucus des femmes à l'échelle continentale. Bonsoir. Bonsoir. Qui est Amina Tidjani Yaya? Élément de réponse dans ce portrait signé Anastasie Bissi. Amina Tidjani Yaya, un nom, un parcours, comptable de formation, titulaire d'un master en comptabilité, obtenu à l'université de Hans-Cham en Égypte. Amina Tidjani Yaya, au-delà de son métier de comptable, est également militante des droits de la femme. Elle est sur tous les fronts de lutte pour l'émancipation et la défense des droits des femmes à l'échelle nationale et continentale. Son engagement pour la cause des femmes n'est pas circonstanciel, moins encore un hasard. Dès son adolescence, soutient-elle, et je cite, « J'ai pris conscience des marginalisations et des violences que subissent les femmes, étant moi-même d'une société où les femmes étaient marginalisées et victimes d'injustices, je me suis battue par tous les moyens pour la cause de la femme. C'est ainsi que je suis devenue activiste pour la cause féminine. » Fin de citation. Amina Tidjani Yaya est fondatrice de l'ONG La Voix de la Femme. Elle est au Conseil national de transition pour le compte de la junte féminine. Après mon engagement dans la société civile, j'étais désignée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici, l'ambassade d'Amérique ici au Tchad, comme visiteur international sur un programme de leadership féminin, d'où j'ai eu la chance de participer au programme des IVPL. J'ai eu la chance aussi de visiter 5 États aux États-Unis. Après mon retour des États-Unis, j'ai fait ma restitution au niveau de l'ambassade des États-Unis, d'où un journaliste de la radio Dia FM qui s'est rapproché de moi pour me dire « Ah, voilà, Amina, toi, tu as eu la chance d'aller assister à une formation en leadership féminin. Qu'est-ce que tu en penses au Tchad? Est-ce que tu as des ambitions pour faire quelque chose ici au pays ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai des ambitions et tout. » Après ça, il m'a invité pour une émission au niveau de la radio Jai FM. J'étais à la radio Jai FM lors de l'émission. À la fin de l'émission, il m'a posé des questions aussi pour me demander « Est-ce que vous avez un projet pour les femmes tchadiennes ?» J'ai dit « Oui, oui, j'ai un projet. » Donc, je voulais créer une association pour défendre les droits des femmes. Il m'a posé la question « Amina, pourquoi tu veux créer une association pour défendre les droits des femmes ?» J'ai dit que mon expérience de voyage aux États-Unis, je vis même un pays qui est développé, comme les États-Unis aussi, il y a des organisations qui militent pour les droits des femmes. Il y a aussi là-bas la marginalisation, la discrimination, les violences faites aux femmes et toutes les formes de violences qui subissent les femmes au niveau des États-Unis. Je dis que combien de fois ici dans mon pays, le Tchad, donc je voulais créer cette association. Il m'a dit, est-ce que tu as pensé de donner quel nom à cette organisation? J'ai dit, oui, bien, j'ai pensé un peu, je vais dénommer Sawt al-Mar'a. Sawt al-Mar'a, c'est-à-dire la voix de la femme. Donc après cette émission, pour moi, c'est un engagement que moi j'ai pris parce qu'il y avait des auditeurs aussi qui nous suivaient aussi à l'émission. Et puis je me suis dit, il faut que je crée cette association. Et j'ai contacté quelques-unes de sœurs. J'ai dit que dans notre société, comme vous le savez vous tous, c'est un peu compliqué. Et que qu'on se lève un matin pour dire non au mariage des enfants, non à tout, non, non, non. Donc, je me suis dit qu'il faut que je cherche des femmes battantes, celles qui peuvent aller avec moi dans ces combats. Donc, Dieu merci, j'ai trouvé quelques-unes avec qui nous nous sommes mises ensemble, qu'on a créé cette organisation, cette association qui est aujourd'hui une ONG nationale, la Voix de la Femme. Première secrétaire de séance au Conseil national de transition, par décision
du président du Conseil national de transition, Amina Tidjani Yaya, est désigné membre des parlementaires pour le Parlement panafricain. Chemin faisant, au cours de la sixième session de la cinquième législature du Parlement panafricain du 27 juin au 2 juillet 2022 à Midran, en Afrique du Sud, Amina Tidjani Yaya est élue présidente du groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain. Madame Amina n'est pas tombée par hasard à cette fonction. Bien avant de devenir parlementaire au Tchad, c'est une femme battante qui a occupé plusieurs fonctions. Pour ceux qui la connaissent, elle a brillamment présenté la thématique sur la jeunesse et sur les femmes au premier et deuxième forum national inclusif. Elle a aussi eu l'opportunité de gérer la maison de la femme. Et encore mieux, elle a créé une ONG qui est très populaire au Tchad, qui s'appelle La Voix de la Femme. Donc Amina est familière, elle est coutumière de la défense des droits de l'homme et particulièrement des droits des femmes. Donc je pense qu'elle saura être à la hauteur de cette fonction élective qui vient de lui être confiée par les femmes du Parlement panafricain. À travers cette brillante élection, Amina Tidjani Yaya prend l'engagement solennel de s'investir dans la lutte pour l'émancipation de la femme africaine. Ainsi, pour lui permettre de mener à bien cette noble et exaltante mission, elle est appelée à travailler en étroite collaboration avec ses collègues parlementaires. C'est l'intérêt national qu'on avait vu, l'intérêt du pays. On a poussé, on avait fait la campagne et Dieu merci, Amina est élue présidente du caucus des femmes au détriment des autres caucus. Donc on était contents, fiers d'être tchadiens ce jour-là parce que l'opération a été gérée de bout en bout par des tchadiens et la réussite de la mise en place du bureau du Parlement panafricain, la réussite de mise en place du système de rotation au niveau du Parlement panafricain par les Tchadiens et une Tchadienne qui occupe le poste de la présidence du caucus des femmes. Ce n'est qu'une fierté pour nous. Ce que moi, je dois lui conseiller, c'est de faire un lobbying auprès des autres, des relations avec les autres, quel que soit Alpha. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça sera une autre. Elle doit soutenir les autres et ainsi de suite. C'est comme ça qu'il faut. C'est vrai, je suis un ancien du Parlement panafricain, mais elle est nouvellement arrivée. C'est une très belle question parce que au Parlement panafricain, quand on est nouveau, on est membre, tout court. Tu as moins de chances d'avoir des postes. Elle est nouvelle, elle a eu un poste. En plus, présidente, je dois être content et puis je dois lui dire que de continuer avec cet élan et tisser des relations beaucoup plus avec les autres. Et maintenant, ça va être notre diplomatie parlementaire. Le groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain, pour rappel, a été officiellement créé le 20 octobre 2007. Les 10 groupes parlementaires contribuent à la participation des femmes à la vie politique, économique, sociale et culturelle sur le continent africain. Vous êtes brillamment élue présidente du groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain. Le public africain connaît peu le Parlement panafricain dont vous avez la chance aujourd'hui de présider le caucus des femmes du Parlement panafricain. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le Parlement panafricain? Le PAP ou le Parlement panafricain est l'un des 9 organes de l'UIA, de l'Union africaine. Et le membre du Parlement panafricain, c'est-à-dire les membres sont désignés en raison de 5 membres par État, membres de l'UIA. Toutefois aussi, c'est en respectant aussi la parité, c'est-à-dire la représentativité de femmes. Et le Parlement panafricain dispose d'un bureau constitué d'un président et 4 vices
avec aussi 5 caucus régionaux qui représentent les 5 régions de l'Afrique, à savoir l'Afrique australe, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et Afrique du Nord. Et aussi d'un caucus des femmes, et un caucus aussi des jeunes et 10 commissions permanentes. Le Parlement panafricain, c'est une institution à plein pouvoir législatif. Et nous, au niveau de Tchad, toujours comme les autres pays membres, en tant que pays membre de l'UEA, le Tchad a toujours été représenté par 5 députés nationaux. Amina Tidjani Yaya, aujourd'hui présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain, quelle a été votre réaction, vos sentiments, votre émotion après cette brillante élection comme présidente du caucus des femmes du Parlement panafricain? C'est le plan dédié. Peut-être il vous souviendra que l'année dernière, en mai 2021, il y a eu aussi la programmation des élections au niveau du Parlement panafricain. Et par l'incompréhension des membres du Parlement panafricain, ils n'ont pas pu organiser les élections. Et jusqu'à aujourd'hui, entre-temps, nous ne sommes même pas encore membres du Conseil national de transition lors de cette session, et que sur le plan dédié, je disais tout à l'heure, qui a fait que notre pays aussi part en transition, et que nous venons au niveau du Conseil de la transition, et la confiance aussi qui est placée par notre hiérarchie ici au niveau du Conseil national de transition, que nous sommes désignés comme membres, qui nous a donné cette chance d'être là-bas. Cette session qui est un peu élective, et c'est une session qui est un peu spéciale au niveau du Parlement panafricain, que nous on a eu la chance de participer. Et aussi, c'est une séance qui est présidée par le président de la Commission de l'Union africaine, notre compatriote Moussa Faki Mahamat, qui a au début a commencé à expliquer par rapport à la dysfonctionnement du Parlement panafricain, qui a vraiment les conséquences des dysfonctionnements dans tous nos pays respectifs, presque pays d'Afrique, plupart des pays d'Afrique, ils traversent aussi la transition, ils traversent aussi d'autres moments, et le dysfonctionnement de PAP qui va aussi causer dans beaucoup de pays des obstacles et tout. Et les incompréhensions en 2021, c'était... une certaine de membres des PAP, ils demandent l'application de la rotation au niveau de l'organe, et d'autres qui refusent la rotation et qui demandent l'application du règlement intérieur du Parlement panafricain. La rotation est mentionnée sur le protocole de Malabo, qui est ratifié à nos jours par 16 pays membres. Et l'UEA, c'est-à-dire la présidence de l'UEA, veulent appliquer la rotation pour donner aussi la chance à membres du Parlement panafricain qui n'ont pas eu la chance d'occuper de fonctions au niveau des bureaux, au niveau des caucus, au niveau aussi des commissions permanentes. Donc, ce qui a causé les incompréhensions l'année 2021, et que notre compatriote, le président de l'Union africaine, et avec son discours panafricain d'ouverture des sessions, il a pu quand même convaincre les membres du Parlement panafricain, qui a aussi donné l'opportunité à tout le monde, et qu'on s'est mis d'accord avec la rotation, l'application des rotations, c'est-à-dire malgré que le protocole de Malabo n'est pas ratifié par tous les pays membres de l'UEA, que nous on a accepté d'appliquer la rotation. Et si aujourd'hui, les Tchads, en partant d'ici, de N'Djamena, nous sommes partis avec des ambitions, des ambitions fortes qui sont soutenues par les plus hautes autorités de ces pays, et plus particulièrement par le président, le docteur Kabadi, Haroun Kabadi, le président du Conseil national de transition, et qu'une fois arrivé là-bas, l'application des rotations qui nous a favorisés et défavorisés aussi de l'autre côté,
Et ce qui a fait aussi aujourd'hui notre élection à la tête de la caucuse de femmes parlementaires. Ce n'était pas facile, semblerait, les élections. Qu'est-ce qui était à l'origine? C'est des ambitions. Je vous ai dit tout à l'heure que on est parti avec des ambitions ici. On était soutenus par nos hiérarchies ici depuis N'Djamena et nous sommes partis là-bas. Pour moi, c'est une expérience. Et quand j'ai porté ma candidature pour le poste de la présidente, je sais que c'est pour la deuxième fois que j'assiste, parce qu'on a assisté à une réunion en mois de mars à Addis Abeba, à l'Union africaine. C'est une réunion de consultation. Et la deuxième réunion que j'ai porté ma candidature est la session où même moi j'ai prêté serment. J'ai prêté serment 48 heures plus tard que j'étais élue présidente de caucus des femmes. Et ce qui m'a fait aussi un peu, j'ai eu la pression de la part aussi des femmes, parce que là-bas, les femmes, il y en a qui sont parmi les membres des femmes, elles sont là depuis 16 ans. Parmi les candidates même, hein, on a une candidate de l'Afrique de l'Ouest, elle a 16 ans au niveau du Parlement panafricain, elle était candidate au poste de la présidente du caucus des femmes. Il y a d'autres aussi pour me dire « Ah, madame, vous venez d'arriver, vous prêtez serment hier, vous êtes très ambitieuse, vous voulez être la présidente du caucus des femmes et tout, 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 tout. » Donc, je suis convaincue par mes collègues, la délégation. C'est l'occasion de remercier la délégation tchadienne et qui m'ont vraiment me soutenu. Ils étaient à côté de moi. Et le caucus de l'Afrique centrale qui a porté ma candidature au nom de l'Afrique centrale. Et j'ai dit, OK, je pars seulement. Si je perds aussi, ce n'est pas la fin du monde. Et déjà, c'est une expérience pour moi. Et prochainement, peut-être, si j'ai des ambitions pour des postes au niveau continental ou au niveau international, je saurais quand même comment faire le lobbying, comment se préparer, comment les choses, ça se passe. Donc, je ne perds rien. Je pars. Si je gagne, tant mieux. Si je ne gagne pas, OK, il n'y a pas de problème. C'était ça. Et puis, a décidé que nous serons présidente du caucus des femmes. Donc voilà, un peu, c'est long, hein, si je vais vous parler un peu comment on a fait les campagnes, comment on a fait les lobbies, comment on a fait présenter une profession de foi, un CV qui avait convaincu toutes les femmes africaines là-bas pour dire ah, elle est la plus jeune parmi nous, mais c'est elle qui a l'expérience parmi nous toutes dans le domaine de défense des droits des femmes. Du moment où elle a créé une organisation pour défendre les femmes tchadiennes et aussi les participations dans le forum, dans le colloque au niveau national et au niveau international pour la défense des droits des femmes. Donc, ils disent, si on parle franchement entre nous, les femmes, c'est elle qui le mérite. Il faut lui donner cette chance-là. On va voir avec elle peut-être les changements au niveau des caucus des femmes. Donc, c'est comme ça que les femmes ont porté leur choix sur moi et voilà, je suis élue. Je sais que les défis sont énormes. J'ai besoin de soutien d'abord de mon pays et aussi les autres pays membres pour m'accompagner, pour me soutenir, pour relever les défis. Oui, présidente du caucus des femmes parlementaires, quelles sont vos attributions en étant à la tête de cette institution panafricaine? Oui, le caucus des femmes parlementaires est un organe aussi de très, très important du Parlement panafricain. Le caucus des femmes est créé en 2004. En 2004, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, elle est dirigée par d'autres régions de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Mais l'Afrique centrale n'a jamais présidé le caucus des femmes. Donc, je suis la première femme de l'Afrique centrale de présider le caucus des femmes parlementaires. Oui, mais maintenant, vos attributions Nos attributions, c'est-à-dire le caucus des femmes a pour mission de faire le suivi de la ratification de l'incorporation du budget de l'IA qui va être un budget sensible aux genres et puis pour nous permettre aussi de prendre en compte les activités genre au niveau de notre organe, aussi à la mission de veiller aussi à la représentativité des femmes
au niveau des organes, c'est-à-dire des États membres du Parlement panafricain et aussi de l'UEA en général. Mmh. Oui. Oui, vous avez eu à présenter vos attributions. Maintenant, de par ces attributions, est-ce que vous avez un plan d'action pour vous permettre de mener à bien cette noble et exaltante mission? Oui, le caucus des femmes a toujours été à un plan d'action qui est adopté par l'Assemblée de femmes parlementaires, avec aussi un budget qui est soutenu par l'organe l'UEA. Donc, aux sessions passées, après notre élection, on a eu la chance aussi de diriger les séances et on a adopté un plan d'action et que nous sommes en train de faire tout pour la mise en œuvre. Et aussi, le caucus des femmes aussi est assisté au niveau du Parlement panafricain parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un organe qui est très, très important et que aussi le Parlement panafricain veut aussi par rapport aux mises en œuvre du plan d'action des caucus des femmes. Nous sommes assistés avec du personnel parlementaire au niveau des Mitrène, au niveau des sièges du PAP, avec qui on travaille pour la mise en œuvre de notre plan d'action. Oui, ce plan d'action va être exécuté au bout de combien d'années? 3 ans. Notre mandat, c'est pour 3 ans. Notre mandat, c'est 3 ans. Et le plan d'action, elle est annuel. Donc, chaque année, on adopte un nouveau plan d'action. J'ai pris l'engagement là-bas, après les élections, devant toutes les femmes membres du Parlement panafricain, est-ce que je verrai, Inch'Allah, pour la mise en œuvre de leur plan d'action. Et je vais veiller aussi par rapport au suivi de la ratification, de l'incorporation législative et les instruments. Et je vais veiller aussi, j'ai pris un engagement solennel. J'ai pris un engagement solennel devant ces femmes d'investir pour la mise en œuvre de leur plan d'action et aussi porter la voix de la femme africaine. Vous n'avez qu'un mandat de 18 mois. Et de l'autre côté, vous me dites qu'en ce moment, vous avez un mandat de 3 ans. Oui. À supposer qu'en ce mois, vous finissez les 18 mois et que vous ne revenez plus au Conseil national de transition. Oui, c'est une question très pertinente. Nous sommes en transition, on a 18 mois, il nous reste seulement quelques mois à la fin de notre mandat au niveau du Conseil national de transition, ce qui a aussi créé beaucoup de bruit au niveau du Parlement panafricain pour dire qu'un pays qui est en transition, pourquoi on lui donne le mandat de caucus des femmes pour 3 ans et tout, mais les textes ne permettent ça. Les textes permettent, parce que tout à l'heure j'ai dit, les membres du Parlement panafricain, ils représentent le Parlement national ou tout autre organe législatif. Donc, raison pour laquelle on était élus aussi là-bas au niveau des élections. Et aussi, si notre mandat finit ici, c'est juste un mandat. Et puis, les Tchad, notre mandat finira aussi par la mise en place d'un Parlement national au niveau du Tchad. Donc, le Parlement qui va être mis en place va directement continuer la mission. Non. Voilà. L'administration étant une continuité. C'est une continuité. Est-ce qu'on s'attendra toujours à une femme qui doit revenir toujours comme... Oui, toujours. Est-ce qu'il n'y aura pas des élections? Oui, non, il n'y aura pas des élections. C'est la continuité. C'est le mandat du Tchad. Ce n'est pas à la personne d'Amina, mais c'est le Tchad qui a le mandat de diriger le caucus des femmes parlementaires. Une femme tchadienne élue ici au niveau national, députée, elle est désignée par le Parlement national, ici membre du Parlement panafricain, elle peut toujours faire la continuité. Amina Tidjani Yaya est première secrétaire de séance. Et de l'autre côté, à Midra en Afrique du Sud, vous êtes aussi présidente du caucus du Parlement des femmes. Comment allez-vous concilier les deux missions? Je pense que c'est deux missions différentes. Ici, je suis première secrétaire des sciences, je suis membre du bureau de la CNT. Là-bas, je suis la présidente du caucus des femmes. Je pense que ma fonction ici au niveau de la CNT ne peut pas être un obstacle pour moi d'être aussi présidente au niveau de la caucus des femmes. Et toutefois que je suis aussi assistée, j'ai une équipe qui est très compétente avec moi pour m'aider dans cette mission, que ce soit ici au niveau des parlements ici ou aussi au niveau des parlements panafricains.
Nous tirons déjà presque à la fin de notre émission. Vous avez par exemple un mot à dire à l'endroit de nos téléspectateurs, surtout la femme africaine qui vous suit. Avant de venir au nouveau africain pour les femmes africaines, au nouveau national, comme vous le savez tous, notre pays traverse un moment très spécial, la transition, et que je demande à tous les Tchadiens de saisir la main tendue du président du Conseil national de transition pour la paix et pour la réconciliation nationale entre les filles et les enfants du Tchad. Je demande aussi aux Tchadiens de saisir cette chance d'organiser le dialogue national inclusif que hier le gouvernement a annoncé la date, les dates d'organisation du 20 août. De saisir, c'est une chance très importante pour nous tous en tant que Tchadiens de saisir cette chance pour construire ou pour un Tchad être dans le cercle des femmes africaines de façon officielle. C'est vrai que j'ai eu la chance de participer avec elle pendant le colloque et autres, mais en tant que présidente du caucus des femmes, je prends aussi l'engagement ici que, Inch'Allah, je vais me mettre à la disposition, aux dispositions de toutes les femmes africaines, surtout les femmes parlementaires, et puis je vais, Inch'Allah, porter, comme j'ai porté aussi, j'étais toujours au premier rang s'il s'agit de défense des droits des femmes au niveau national. Et je vous rassure que je serai aussi la porteuse des voix des femmes aussi au niveau de notre continent. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition. Nous venons de recevoir sur ce plateau Amina Tidjani Yaya. Elle est présidente du groupe parlementaire des femmes du Parlement panafricain. Il était question au cours de cette émission du rôle assigné à ces caucus des femmes au niveau continental.